Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur la nouvelle mise à jour là, qui est arrivée ce matin, avec quelques changements plutôt intéressants. Donc, le premier changement, c'est au niveau de la Toa. Maintenant, on va avoir l'autoplay x10. Alors, c'est un peu différent des autoruns que nous on a, enfin, donc des runs x10 qu'on a pour le Keros, le Raid, etc. Là, on pourra rien faire comme avant. Pendant que les runs se passent, sauf en fait, ce que ça va changer, c'est que ça va faire un peu comme si on utilisait un bot, quoi. Ça va relancer instantanément nos runs à la fin. Alors si j'ai pas de bêtises, tu peux utiliser ça uniquement pour faire les étages que tu as déjà fait sur ton record. Donc par exemple, si tu n'as, je dis une connerie, mais si tu commences ta première Toa, tu ne pourras pas utiliser la fonction autoplay. Tu seras obligé de le faire un à un au départ. Mais bon voilà, une fois qu'on l'a fait, donc pour 90% je pense des gens sur le jeu, on pourra maintenant utiliser l'autoplay et gagner pas mal de temps en relançant les runs. Juste voilà, pour la Toa normale avec une team rapide, je pense que tu peux les relancer une fois toutes les... Oh, je dirais une fois toutes les 3-4 minutes. Et puis pour les Toa hard, au moins tu pourras te dire, voilà, je pars 30 minutes, je mets ma team full dot sérieuse, et puis je reviens et c'est bon quoi. Donc vraiment bonne mise à jour, c'est du confort honnêtement, mais ça fait pas de mal. Ça fait très très longtemps que les gens disaient que voilà, pourquoi les autres modes de jeu auraient leur fonction autoplay et pas la Toa. Je crois que je viens de comprendre pourquoi ils ont mis une forme d'autoplay différent. Parce que si c'est de la Toa, logiquement, tu dois toujours pouvoir lancer tes runs de Keros x10 et en même temps lancer cet autoplay x10. Donc ils pouvaient pas mettre le même système de run, sinon tu aurais pas pu fermer les deux choses en même temps. Donc ok. D'un côté, tu perds un peu de temps parce que tu es obligé de regarder ton écran, de l'autre, t'en gagnes parce que tu peux fermer deux trucs à la fois. Ok. Carré, ça me va. Voilà, donc là ils disent c'est uniquement disponible pour les niveaux que tu as réussi à clear avant. Ensuite ils ont sorti un nouveau rival. Donc lui il est un peu marrant, j'aime bien le concept du rival. En gros c'est un rival que tu vas pouvoir taper tout le temps. Il n'y aura pas de timer de respawn. Il va pas te donner les cristaux évidemment quand tu le tues. Il va te donner juste des points de. Qu'on appelle ça, des points de. D'arène, il t'en donnera 3, donc il te donnera quand même moins de points d'arène que si t'allais taper un joueur en conquérant. Hein. Je crois que quand tu vas taper des joueurs en conquérant 3, je crois le plus haut palier, tu gagnes 6 points, donc lui t'en gagneras que 3. Ça sera vraiment du coup pour ceux qui sont au tout début du jeu et qui veulent pas s'embêter à farmer leur truc, qui veulent taper juste clear des listes entières de rivaux. Bah, tu pourras taper ce mec-là en build, en boucle. Et en gros, la blagounette avec lui, c'est que dans le lore, c'est censé être une whale. Et en fait, le mec, à chaque fois que tu le tapes, il revient avec une team différente, avec full LD. Donc, oh, je trouve ça rigolo. Et le mec se plaint à chaque fois. Oh, j'ai tous les mobs du jeu et pourtant, j'arrive pas à jouer. Je trouve que c'est un. C'est de l'autodérision qui est bien amenée. Côté comme toi aussi. Ils ont conscience qu'il y a ce type de joueur et je trouve ça cool qu'ils fassent un petit peu bah de l'autodérision, de l'humour avec ça quoi. Donc là le mec on le bat une première fois, hop, il revient avec des nouveaux LD et à chaque fois que tu vas le battre, il va te faire une petite moue dépité en mode la vie elle est vraiment pas cool. Moi j'avais dépensé plein de cristaux et au final je gagne même pas. Bref, c'est cool. C'est cool, voilà. J'ai dépensé tous ces cristaux pour rien et ils chialent. Mais voilà, je trouve ça sympa. Après, honnêtement, comme tu vois, c'est que 3 points par victoire. Donc moi j'ai 4 parce que j'ai pris le pack quotidien qui augmente les médailles que tu gagnes. Mais 3 comparé aux autres qui donnent 5 avec des cristaux, c'est quand même pas un mob que tu vas pouvoir farmer. Je pense vraiment pas qu'il faut farmer ce mob-là. Juste voilà, bon, il est marrant, tu le fais une fois pour déconner. Et peut-être que vraiment, si t'es très early game, parce que tu vois là, moi je suis en C3, les autres joueurs que j'ai, ils me donnent 7 points par victoire. Tu vois? Là où les rivaux, il y a que les derniers qui donnent 7 points par victoire.
Et les autres, c'est 6 ou 7 points. Bon, là, je sais pas pourquoi il y a Shai, Adon 7 et les autres 6, mais... Donc, Amir, logiquement, tu ne le taperas pas, d'accord? À moins que tu sois vraiment très très early game et que tu n'arrives pas à monter suffisamment haut en arène pour farmer plus de points. Là, tu pourras peut-être taper du Amir, mais c'est plus un easter egg rigolo dans le jeu que un mob qu'on va vraiment pouvoir farmer, d'accord? Et après ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est... Ah oui, super. Ils ont augmenté la vitesse des invocations x10, et ils ont fait en sorte que les invocations x10 puissent être faites avec les vélins élémentaires maintenant, donc au feu et vent. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une des remarques qu'on avait fait lorsque les x10 étaient sortis, que c'était un petit peu lent. T'avais pas trop l'intérêt de mettre du x10 si tu voulais summon rapidement. Donc ça, c'est cool. Petite amélioration, on dit pas non. En plus de ça, il y a le nouveau skin. Enfin, non, les anciens skins qui sont achetables maintenant dans le shop de Guild. Donc, c'est le shop avec les points que tu chopes à la fin d'une saison de siège. Donc là, maintenant, ben voilà, on peut acheter le premier skin des sirènes qui était sorti au début des tournois siège. Très bien. Comme ils font en fait avec la RTA et le shop de Special League qui te permet d'acheter les skins des saisons passées. Avec un petit décalage évidemment. Donc bon, ils font ça pour les skins et ils font ça pour les effets d'apparence, très bien. Qu'est-ce qu'il y a également qui ont été changés? Après, c'est un petit peu du, on va dire, du cosmétique sur la disposition des items qui ont déjà été achetés dans le shop. En gros, ils iront tout à la fin, pas super intéressant. Il y a des packs des 8 ans qui sont sortis et après voilà, après c'est on est on est sur des détails mineurs. Donc ouais, bah écoute, les packs des 8 ans, je peux peut-être en faire une petite review vite fait. Moi, j'aime beaucoup les packs avec des réaps. Donc le pack à 70, je pense que celui-là, il est pas mal. Réap, LD, un peu de vélin, niveau des cristaux, c'est ok. Mais moi, je vais vraiment essayer de chercher très souvent les packs de réap. Et du coup, bah, le pack à 30... Avec un vélin, un Devil Mode. Je pense que le pack à 30 avec les réaps est bien. Le pack à 70 avec les réaps est bien. Les autres sont peut-être légèrement en dessous. Et après, je dis ça, mais bon, les packs de runes légendaires x3 pour 30 balles, ça peut quand même aider à aller chercher des belles targets réaps, des beaux trucs comme ça. Ok. Pour moi, en fait, le pack qui est le moins intéressant, là, c'est le pack à 100 balles. Le pack à 100 balles, certes, t'as des. Bah, t'as des vélins light and dark, t'as des trucs tout attribut, t'as un peu de Devilmon et tout, mais. Et des vélins. Mais je sais pas. Moi, quand je compare aux autres, je me dis les autres, ils ont à peu près la même quantité de vélins, même quantité de cristaux rapportés à leur prix d'achat. Sauf que eux, en plus, ils ont des réaps. Ou alors des runes légendaires. Pour moi, pour progresser et améliorer sa qualité de rune le plus rapidement possible, c'est mieux de prendre les trois autres packs, pardon, que de prendre celui-là, mais c'est mon avis. Évidemment, si vous voulez prendre les packs, vous passez par mon lien en description YouTube. Je suis sponsorisé Amazon. Donc, si vous passez par mon lien, je gagne de l'argent et vous économisez jusqu'à 20% sur vos achats in-game. Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc, petite mise à jour, mais pas mal de changements assez sympas. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao!